Merci d'être venu, effectivement. Donc, pour revenir à l'idée, c'est tout simplement de relire l'histoire du Maroc. Et l'histoire du Maroc ne peut se lire qu'à travers le prisme du politique. Nous sommes tous des êtres politiques et tout est politique dans notre vie de tous les jours. Donc, en quoi consiste, je ne suis pas historien, Dahda l'a souligné tout à l'heure, je le remercie. Je ne suis pas historien, mais mon rôle, c'est de proposer ma vision de l'histoire, ma vision du politique. Et pour moi, le politique et l'historique se manifestent dans notre corps, dans notre maintien, dans ce monde. Pour moi, le corps, c'est vraiment la page, le parchemin sur lequel s'écrit l'histoire. Et le parchemin sur lequel s'écrit le politique. Ça, c'est bien. Donc, par exemple, pour la trilogie, elle embrasse une période politique très importante, charnière dans l'histoire du Maroc. C'est 1990 jusqu'à 1990, le premier roman. Il dure 11 jours exactement. Il prend une période de 11 jours, mais ces 11 jours sont, si vous voulez, le condensé du politique, on va le dire, avec un peu de vie. Et la concrétisation forte du politique, ça a été, j'ai pris comme socle, les événements du 14 décembre 1999. Donc, c'est 11 jours dans le premier volume. Dans le deuxième volume, c'est 7 ans, de 91 à 98. 98, pourquoi? Parce que c'est l'avènement du gouvernement socialiste. Et le troisième, il embrasse 14 mois. 14 mois, c'est-à-dire depuis ici, jusqu'à la mort de Hassan. Mais le roman commence par le décès de Hassan. Qui a été considéré par le Marocain comme, qui a été vécu comme quelque chose d'inconcevable, parce que le travail qu'il a effectué dans les consciences de son peuple a été tel que c'était Hassan II a été associé à une image de quelqu'un d'immortel, quelqu'un qui a il était difficile de concevoir ça. Mais quand il est venu, sa mort et la nouvelle est tombée, il y a eu tout un moment de silence. D'effroi. D'effroi en même temps d'étonnement. C'était parce qu'il était, il avait toutes les caractéristiques d'un dieu. C'était quelqu'un qui était omniprésent par les portraits, par les discours à la radio, à la télévision. Rappelez-vous, hein, c'est pas très loin, mais les journaux télévisés duraient une heure et demie parfois. Et la part de Lyon, c'est-à-dire des activités royales, c'était réservé aux activités royales. Donc il était omniprésent, il était omniscient parce qu'il avait toutes tous les outils de renseignement. Et ça continue maintenant avec une nouvelle technologie, c'est encore pire. Hein. Maintenant, on n'est sans plus obligé de mobiliser des gens pour suivre quelqu'un. Il suffit de consulter son téléphone et de tout avoir. Donc, à l'époque, il était omniscient, omniprésent et omnipotent, parce que sa parole avait force de loi. Tout discours de roi de Hassan II avait force de loi, il suffisait qu'il dise la chose. Pas la peine que ça transite par le processus. Donc pour moi, il y a ce projet, cette idée d'interroger le politique dès qu'il se manifeste chez l'individu, dans son corps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail sur le corps. Et donc le projet, c'est ça. Maintenant, je marche à reculons. Donc j'ai fait 99-90 et maintenant je suis en train de travailler sur la période 65
les événements de Casablanca, 23 mars, 65 jusqu'à 90. Et là, je vais m'arrêter. Donc, il y a une première. C'est pas, ça va prendre deux ou trois bouquins. Et après, je vais prendre la période 1907. Pourquoi 1907 ? C'est le moment, le bombardement de Casablanca par la marine française. Et donc, de 1907 à 1965, englobant la période de l'indépendance et surtout les événements de la résistance. Hein. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y a très peu de textes romanesques. Hein. Mais je crois que c'est une période qu'il faut aussi réinterroger. Voilà. On voit maintenant la sensibilité qui est la tienne en lisant ce texte. On sent que les romans, nous, lecteurs, quand on lit, on est bouleversé. Vraiment, on sort de la lecture des romans, changé, transfiguré un petit peu. On a tous vécu les événements, surtout des années 80, Adam Haddad. On était témoins de ça. On a des amis aussi qui ont vécu. Il y a dans tes romans cette interrogation qui revient à chaque fois. Sur l'écriture. Oui, parce que Dostoïevski l'a dit, on dirait que c'est inutile. Inutile. Donc. Oui, c'est complexe. C'est complexe. Ouais. L'art sauvera le monde, c'est ça, ou la littérature sauvera le monde. La beauté sauvera le monde. Mais en tant que. Il y a quand même une forme d'écrire, ou peindre, ou faire des photos. C'est une forme de résistance. Je crois que tout créateur se pose la question de l'utilité de ce qu'il fait. Quand on voit ce qui se passe dans la société, on voit dire quelques mots au consumérisme dans les derniers temps, mais avant, à partir des années 90, le Maroc a commencé à changer. De quelle manière, c'est pour ça l'objet du deuxième roman, c'est que le régime a encouragé l'émergence d'une classe sociale prête à tout pour devenir puissant. Donc, par le pouvoir, l'exercice du pouvoir, ou surtout l'acquisition de la richesse. Donc, on a vu des gens qui étaient capables de tout faire, vendre leur âme, si vous voulez, pour devenir riche. Donc, quand on voit le chemin que prend la société marocaine, quand elle a voulu sortir de l'immobilisme, parce que en fait, l'attente pour revenir au titre, tout il y a, c'est que la société est calée, elle est foulée, et l'attente parce qu'on attend le changement. Hein, le changement qui n'arrive jamais. Chaque fois, rappelez-vous, dans les années 90, oui, chaque fois qu'il y a un gouvernement, le gouvernement dit, tiens, ça va changer chaque fois. Même après, avec le nouveau régime, c'est la même chose. On dit, avec le tyran, ça va changer. Avec la vie, ça va changer. Et ça, c'est maintenir une illusion du changement sans changer. Donc ça, c'est... Donc, la question qu'on se pose en tant qu'intellectuel, et en tant que créateur, c'est, est-ce que ça va servir à quelque chose? Parce que tout le monde court après l'argent. Après le pouvoir. Donc, moi, c'est légitime que je me pose cette question. Il est légitime que je me pose. Et la quatrième de couverture de Kuga, elle résume un peu cette idée. Parce que, donc, dans les 90, il y a eu quand même une certaine effervescence, un milieu culturel, mais qui était toujours dominée par ces rapaces. Qui sont là pour détourner des fonds, pour faire des salamalecs au régime en place. Mais il y avait quand même quelques résistants. Et donc il y avait l'organisation de certains salons, de certaines activités, mais en fait c'était des choses qui servaient le régime tout simplement. Donc il y a qu'un des personnes qui organise une activité. Et puis il y a Rabbani qui arrive. Rabbani, le sauvage qui vit dans les montagnes,
et qui voit donc ce salon, mini-salon du livre, auquel il y a eu des activités avant, avec des personnages qui ont réellement existé. Et c'est lui qui va s'adresser, il n'a pas été invité, donc il va s'adresser à cette élite réunie dans une petite salle et qui croit pouvoir changer le Maroc, en fait, qui ne changerait rien. Hein, alors il dit ceci, c'est lui qui parle, c'est Radmani, le sauvage. Ce qu'il faut, c'est des mots, c'est pas de la littérature, ce qu'il faut, c'est des mots qui cassent d'autres mots. Parce que lui, il est sculpteur, et en même temps peintre. Il passe sa journée à faire des sculptures sauvages que personne ne verra, en cassant la pierre par la pierre. Ce qu'il faut, c'est des mots qui cassent d'autres mots, comme la pierre casse la pierre. Vous me faites pitié, vous me faites rire, c'est de la poésie molle, c'est de l'écriture molle, c'est de la pensée veule, croyez-moi. Vous organisez tout ça pour dire quelle place Meknès occupe dans le champ de la culture. Vous êtes sérieux? C'est une fausse question de naïf, de profiteur, de masturbateur et de marchand. La vraie question est que faire avec la mort qui nous habite et qui nous ronge? Que peut-on écrire, penser, peindre, sculpter avec ce qui est mort en nous? C'est ça la vraie question. Donc, il s'agit de décrire les corps et les objets de manière générale avec une grande sensibilité à la texture, à la couleur, aux formes. J'ai envie de poser une question un peu technique, si tu le permets, Saïd Rahim. C'est que l'imaginaire dont procède ce roman en particulier, mais aussi de manière générale la trilogie, c'est un imaginaire morbide. C'est un imaginaire très noir, et je pense que l'on peut deviner la marque de fabrique d'un grand écrivain à son imaginaire et à sa langue. C'est d'ailleurs l'envers et l'endroit de la même médaille, mais paradoxalement, il y a une écriture classique qui essaye de dire la violence. C'est Mohamed El-Hadda le disait tout à l'heure. Tu as l'obsession de l'architecture de tes récits, et comme si l'écrivain voulait maîtriser cette violence débridée qu'il est dans l'obligation de dire en parlant de personnages minés de l'intérieur. Comment expliquer ce paradoxe entre la violence qui mine le personnage et ce désir de maîtriser tout cela par une écriture classique dans sa facture? C'est vrai qu'il y a ce souci de parler de la violence politique, mais en essayant de ne pas tomber dans un discours analytique, un discours intellectuel, parce que l'ennemi du roman, c'est l'intellectualisme. De la littérature. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de souci d'habiller une idée par des images, un imaginaire, et on veut de produire une émotion. Donc le plus important pour moi, c'est l'émotion. Et alors là, cet objectif nécessite beaucoup de travail sur le langage. Donc il y a quelque chose qui... Bien sûr, si je me laissais aller à la violence, moi je décrirais le Maroc entier sous tous les aspects possibles de la violence. Pour moi, dans ma tête, c'est ma perception du Maroc. C'est vrai, il y a des petites choses, des moments de répit, des moments. Mais la violence, elle est partout. C'est peut-être ma sensibilité qui fait que je perçois la violence partout. Mais je reviens toujours à l'idée que c'est une violence d'abord politique qui est intégrée, assimilée, intériorisée par l'homme. Et d'où, justement, il y a un malentendu, parce qu'on m'a fait la remarque, concernant ma description de la femme.
ma présentation de la femme. Beaucoup de personnages, de mes personnes, sont des femmes, et des femmes violentes, qui exercent la violence de différence, chacune à sa manière. Mais ce qu'il nous dit, c'est que cette violence est là une raison. Et pour moi, pour être clair et pour ne pas m'attirer la foudre des collègues femmes présentes ici, des assistantes femmes, c'est que pour moi, la violence de la femme, elle est le produit direct de l'accumulation de la violence subie pendant plusieurs siècles. Donc il y a une violence qui s'est accumulée, et toute violence venant émanant d'une femme, elle est expliquée. On peut l'expliquer que par des causes directes ou indirectes, mais leur fondement est historique et il est politique. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit tout est politique. On ne peut pas, rien, le moindre geste est politique, parce que imaginez 350 ans de cruauté subie. Et en plus, dans cela, il y a tous les discours qui ont été intégrés, principalement le discours religieux qui a été instrumentalisé par le pouvoir et puis assimilé par l'homme aussi. Dans le comportement masculin, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup d'historique et il y a aussi l'assimilation de la fausse religion. Enfin, la mauvaise interprétation du discours religieux aussi, qui fait que il y a ce type de violence, ce type de cruauté. Alors pour cadrer tout ça, pour essayer que le roman reste un roman, qu'il ne devienne pas un discours historique, qu'il ne devienne pas un pamphlet, qu'il ne devienne pas autre chose, il faut vraiment travailler sur les mots. Il faut doser chaque situation, chaque dialogue, hein, en choisissant. Donc il y a beaucoup de travail, effectivement. Il y a beaucoup de travail sur le langage pour essayer de dominer cette violence à laquelle je me serais... D'ailleurs, j'ai un imaginaire noir, ça je le reconnais. Pas toujours. Il y a des éclaircies parfois, mais mon imaginaire, ma perception du Maroc, elle est noire. La question fondamentale des personnages ici, dans la trilogie, est-ce qu'il est possible d'aimer? Pour moi, non, c'est impossible d'aimer dans un pays comme celui-ci. D'aimer sainement, hein, parce que les amours, les relations amoureuses sont souvent des relations malsaines. Elles reposent sur des choses qui nous dépassent nous-mêmes. Donc, elles reposent sur des choses qui nous font agir d'une certaine manière. Nous ne pouvons pas aimer seulement. Ça, c'est tout. Et quand j'écoute le récit de quelqu'un, un homme, une femme qui se plaint de son mari, je me dis, mais il faut qu'il prenne conscience que tout ça, il n'y peut pratiquement rien. Il faut du temps, il faut plusieurs générations. Moi, je table sur la génération 2.0, la génération 2000, qui n'a pas vécu les années 2000. Pour que cette mémoire un peu se prenne ses distances, même si je crois aussi que le corps, notre corps, fait passer, malgré nous, des choses qui sont de l'ordre de l'historique, du social, du politique. La phrase de Barthes tout à l'heure, nous sommes beaucoup plus vieux que nous-mêmes, c'est ça. Nous avons 20 ans, mais dans notre corps, il y a une histoire de 100 ans, 200 ans qui est là, qui nous détermine. Donc il y a des choses. Mon corps est beaucoup plus vieux que moi. Tiens. Justement, Sabdrahim, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, je suppose que pour un écrivain comme toi, il y a beaucoup de travail sur soi, voire contre soi. Dans le sens où tu es quelqu'un, on l'aura deviné à travers ta prise de parole, tu es quelqu'un qui a des positions idéologiques et politiques assez tranchées. Or, un romancier, comme disait Flaubert, il est comme Dieu. Il doit être partout dans son œuvre, mais il doit être invisible. Donc,
sa vision doit être complexe, sinon il va verser dans le roman à thèse. Or, il est bien évident que Thérèse, à aucun moment, on ne devine qu'il s'agit de roman à thèse, même si parfois le narrateur a tendance à être un peu volubile et on devine Saïd Rahim Kamel derrière. Mais le plus souvent, il y a beaucoup de retenue par rapport à l'écriture du romancier. Comment tu fais pour ne pas faire en sorte que tel personnage devienne des porte-parole de des positions politiques et idéologiques? Ça, c'est déjà, il y a une définition du personnage, en partant d'une définition, d'une perception du personnage, qui est fondamentalement complexe. C'est ça. Il faut d'abord établir que tout personnage est complexe. Il est à la fois la chose et son contraire. Je vais prendre un exemple. L'exemple, comment dire, l'un de vous, Rachad, dans Tukulia, c'est à la fois un homme de pensée, c'est un artiste, c'est un dévoreur de femmes, voilà, il est à l'écoute de un grand militant de gauche, mais en même temps, le traitement qu'il a avec les femmes est exécrable. C'est quelqu'un qui prend une femme pour un corps, tout simplement. Alors, un homme de gauche qui prend une femme pour un corps, c'est déjà une négation de toute la littérature, des droits, de l'égalité, machin, le respect. Donc, prenons Zahra. Zahra, c'est une artiste qui a su prendre soin de son père en le soignant tous les jours pendant des mois, qui ne sait pas s'exprimer d'abord sur l'amour, sur ce qu'elle ressent, mais elle le fait à travers là, mais en même temps elle est complètement elle est complètement fermée. Il y a une scène à un moment donné où ils veulent consommer le mariage, oui. Et puis lui, il fait avec elle, parce que c'est un grand sculpteur, il fait avec elle ce qu'elle fait avec son père. Donc il va essayer de la préparer, de l'amasser, comme il. Mais ils ont fait une sculpture. Et en essayant qu'elle s'ouvre, mais elle ne s'ouvre pas. À un moment donné, elle a carrément des douleurs, sans qu'il passe à quelque chose de sérieux, juste les attouchements. Elle se ferme et lui dit mon corps, je sais pas si je me rappelle la phrase, mon corps est fermé. À un moment donné, elle dit que en fait son corps est un cimetière. Et là, dans son corps, plusieurs cadavres, dont celui de son père, celui des amis de son père qui étaient enfermés à Tazmamart avec lui. Donc la question c'était pour. Comment tu fais pour répondre pour le paradoxe de l'écriture. Ah, la distance. Donc il faut devenir le personnage en partant de cette perception. Il faut avoir une vision. Si on n'a pas de vision, on ne peut pas faire un bon roman. On parle toujours d'une vision avec un objectif, mais à travers ça, il y a aussi le travail sur le langage, sur l'émotion, et en même temps essayer d'être l'autre. Alors ça, c'est toute une démarche aussi qui me permet, comme tu dis, de me faire aussi de l'introspection. On écrit toujours, non pas une autobiographie, mais à base de vécu. Il y a des choses, il y a des sensations qu'on a vécues, peut-être dans un registre différent, dans une relation, par exemple. Et tout ça, ça fait un tout qui te donne une certaine manière de sentir les choses. Je dis bien de sortir. Bien sûr, bien sûr. Une dernière question, Saïd Rahim, avant de passer la parole au public, c'est est-ce que ça te conviendrait si je disais, par exemple, que Saïd Rahim Kamel est l'auteur de tragédies modernes, de tragédies c'est d'ailleurs, tu as pu effectivement faire en sorte que le Marocain devienne un personnage tragique moderne.
Alors, par rapport à cette idée, ce que je voulais te dire, c'est que dans Peau et Ocre, il y a au départ, au début du récit, si Mohamed il faisait allusion tout à l'heure, il y a peut-être une utopie qui se profile, Gharbanizha. Et on se dit que la vallée du Ziz, la nature, la liberté, la sauvagerie au sens amélioratif du terme, c'est peut-être une alternative à cette tragédie du Marocain moderne. Sauf que à la fin, on découvre que le corps de Zahra est complètement verrouillé et l'utopie n'a aucune raison d'être à la fin et le dénouement est tragique, il faut bien le dire. Comment tu expliques cette conception profondément pessimiste que tu as du Maroc et au-delà de l'être humain en général? D'abord, il y a le vécu, mais il y a aussi un autre récit dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi dans une famille où il y avait en permanence le récit de la résistance marocaine pendant le protectorat français. Alors, c'est des récits longs, hein, c'est avec des personnages. Mon père, ma mère aussi, mais mon père me racontait, avec des noms que j'ai pu lire par la suite, des séquences dans cette résistance armée. Et donc l'idée d'un Maroc traître d'abord, parce qu'il y avait beaucoup de résistants qui ont été liquidés, des résistants de vrai, et ils ont été effacés par eux-mêmes au niveau de l'histoire. Maintenant, on commence à évoquer certains noms. Et l'idée d'un Maroc qui ne changera pas, elle vient déjà de là. Parce qu'au moment où le Maroc a pris son indépendance, le Maroc était entier dans l'espoir d'un changement. On va sortir de, du joug d'un protecteur, d'un colon. Qui a pris tout le pouvoir, qui a pris toutes les richesses, et enfin on va bâtir un Maroc nouveau avec les richesses dont il dispose, avec des cadres qui étaient en cours de formation. Et déjà au bout de pendant la résistance, c'est-à-dire même avant 1956, il y a déjà eu une liquidation d'une grande partie de vrais résistants. Pendant qui ont été liquidés, d'abord en semant la zizanie, les résistants ont été tués, et après, il y a eu le régime qui a liquidé certainement. Alors, dans une petite confidence aussi, dans la famille de mon père, le cousin, son cousin est très connu, qui était un grand résistant, et qui a été liquidé. Donc, il y avait ce récit qui était là, et déjà, j'avais une vision de la Maroc qui peut-être ne changera pas, étant donné ce qu'il est. La manière dont la chose politique a été gérée. Donc depuis l'indépendance, ça devait être un moment d'ouverture pour bâtir quelque chose. En fait, c'est là où on commençait à casser quelque chose. Donc après, mon vécu personnel en tant qu'acteur social, quand j'ai intégré l'université, j'ai commencé à travailler. Et là, j'ai vu aussi le Maroc de mon point de vue en tant qu'acteur. Et là, j'ai vu qu'en fait, c'était impossible de changer beaucoup de choses. Donc, il y a une vision impossible. Alors, ajoute à cela, au niveau privé, la catastrophe affective. Ça, c'est aussi. Donc, tu as une utopie. C'est lié, hein. Notre façon d'aimer est déterminée politiquement, hein, socialement. Il ne faut pas se leurrer. Vous avez une utopie, vous avez une idée de la relation amoureuse, et vous tombez sur quelqu'un qui transporte dans son corps une mémoire douloureuse faite de cruauté et que vous devez subir vous en tant que surtout quand vous avez des valeurs de démocrate. Donc vous ne devez pas exercer le pouvoir comme l'exercent les autres, tu devez l'exercer comme un démocrate. Là donc déjà au niveau social ça ne marche pas, au niveau politique ça ne marche pas, au niveau relationnel ça ne marche pas, affectif, ça ne marche pas. Donc, vous ne pouvez que être pessimiste. Intervenu sur cette question-là. Juste, je vais revenir sur les personnages et sur ce que je t'avais dit
quand j'ai lu ton roman, d'abord j'avais marqué des réserves sur le titre. J'avais dit que le titre pourrait peut-être évoluer, être autre chose que Peau d'ocre. Mais à la lecture, je t'avais dit, si je me rappelle bien, que ce deuxième roman, c'est que tu as retrouvé ton style. Le style, parce qu'on reconnaît un auteur par son style, et en lisant dit. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Fouel, ce roman, ce deuxième roman, m'a beaucoup, on va dire, donné du plaisir à lire. C'est quelque chose que moi je cherche dans ce que je lis, c'est cette communion avec les choses. Et cette communion, on la retrouve dans plusieurs passages, à la fois dans le traitement du temps. Le temps passe par deux choses, par les événements, ponctué par les événements politiques qu'on retrouve dans les deux romans, mais aussi il est ponctué par le temps qui fait. Et en passant de Tkulia, où le temps est sombre, à pas de lumière, il n'y a pas de lumière, et Peau et Ocre, il y a de la lumière, et il y a des scènes que je vais lire qui m'ont d'abord saisi. C'est saisissant quand on lit des passages. Il y a plusieurs. Je vais juste prendre un passage où Zakia et Baha et Brunel arrivent à Mabat. C'est un grand personnage. Voilà, c'est un grand personnage. Très complexe aussi. Très complexe. Et il y a tout un texte qui est magnifique sur la description de Baha. Si on a le temps, on reviendra sur ce texte. Et de marquer juste le temps de leur arrivée. Étudier ceci. C'est juste une phrase. En traversant, Zakia, Baha et Bandel peuvent voir quelques convives en conversation ou seuls en train d'admirer des jardins sur lesquels donnent d'immenses hautes baies vitrées. Les lueurs mourantes mais chaudes du soleil tombent maintenant sur le paysage évanescent et provoquent dans leur âme un sentiment de puissance invincible. Et là, tu dis, wow, c'est quelque chose de... C'est d'abord, c'est le temps qui fait un portrait, et puis juste une image qui est ciselée. Puis je vais juste revenir sur le passage que j'avais signalé tout à l'heure, qui met en parallèle image et scène. Et cette image et la scène, ils sont alors. Il y a une autre image qui est celle-là. Le soleil décline maintenant, baignant le paysage d'un flamboyant érisé ondoyant. C'est ce moment que Ravani apprécie de toute la journée. Il s'immobilise comme pour se recueillir. Zahra fait de même. Le paysage s'étend à perte de vue sous leurs pieds. L'immense plaine aride offre ça et là quelques touffes solitaires au temps sombre. Devant eux, au loin, s'érigent les hautes parois de pierre dessinent des crevasses rougeâtres. Les derniers rayons, au ton rose, orange et or, rendent encore plus vifs les ocres chauds de cette immensité sauvage. Il se tient par la main, il se taise, troublé. Au bout d'un long moment, Rabani montre une montagne du doigt. Et là, c'est l'écrivain qui décrit. Mais à travers le regard de deux amants. Et c'est quelque chose, moi, que je trouvais magnifique. Alors, je reviendrai sur le texte tout à l'heure, je vais le retrouver, de Zahra et Herbani, là où le personnage n'évolue pas de la même façon. Si on prend Zakia et Zahra, ce sont deux personnages complexes dans le texte. Et Zakia, elle va, malgré cette souffrance qu'il vit de la perte de son père, elle va intégrer ce cercle de les observer, on va dire. Et donc elle va
regagner, elle va devenir l'arme redoutable du pouvoir. Et puis, Zahra, qui est artiste, va échapper à ça. Va échapper à ça parce qu'elle prend ses distances. Et la douleur ressentie par son père et l'enfermement de son père va agir sur elle-même. Et c'est cette scène que tu décris d'enfermement de son corps, de verrouillage de son corps, qui reste présente. Et ça présente deux personnages qui sont opposés, antinomiques, mais qui, chacune d'elles, rayonne à sa façon dans le roman. Et procure, on va dire, Oui, elles évoluent toutes les deux dans deux univers différents. Dans directions différentes. Il y a une qui évolue dans un univers naturel, ou l'univers de l'art, la pratique. Mm-hmm. Et il y en a une qui évolue dans l'univers du faux. Mmh. Celle de la puissance, du matériel, de la richesse, du pouvoir politique. Et il y en a une qui est carrément au service du régime. Carrément. Elle est chargée de certaines missions à l'extérieur. Donc il y a la lumière d'un paysage qui arrive, mais on sent, ça c'est dans la vallée du Zil, où l'on sent vraiment la vie, l'honnêteté, quelque chose de sain. Et puis vous avez un univers que je décris, il y a des rencontres de personnages qui ont évolué, dont je connais certains concepts, qui ont évolué dans ce univers, qui est complètement faux. Il est fondé sur le faux. On a l'apparence, sur l'acquisition de pouvoir, comme je dis, par n'importe quel et à n'importe quel prix aussi. Et puis il y a ça résume un peu le Maroc, la complexité du Maroc, le paradoxe marocain. C'est-à-dire, vous avez dans une superficie de quelques kilomètres, quelques hectares, vous avez toutes sortes de figures du marocain, de classes. Vous avez le grand luxe à côté de la misère. Moi, vous avez nous sommes un grand mélange. Mais c'est ça aussi qui fait pour un romancier, c'est ça qui fait la matière du roman, c'est que vous avez. Moi je dis c'est une chance aussi d'être de vivre dans un pays comme le Maroc pour les artistes. Parce qu'il y a de la matière pour faire des œuvres. J'ai trouvé la scène. Il y a des choses que j'ai conçues, c'est vrai. Il y a des choses que je n'ai pas conçues. C'est comme la lecture, le rapprochement avec Zeus et Apollon. Bon, j'y ai pas pensé. Moi, quand je travaille, je pense à une logique interne du roman. Un personnage, il a tel corps, il a telle idée, émotion, sensation, tel vécu, il doit agir en fonction de cette logique qu'il porte. Et cette logique, elle détermine l'ensemble des actions et le déplacement dans l'espace. Dans le temps. Donc, merci pour cette lecture. Pour le tragique, la voix éteinte, justement, tout à l'heure j'ai lu le passage, le cri de Rabbani, quand il va dans cette rencontre intellectuelle, il dit la vraie question est que faire avec la mort qui nous habite et nous ronge tous. Que peut-on écrire, penser, peindre, sculpter avec ce qui est mort en nous? C'est ça la vraie question. Donc, nous sommes tous des gens potentiellement éteints. Mmh. Ou quelque part éteints dans notre corps, dans notre conscience. Mmh. Et donc, il faut l'admettre, il faut accepter cette part. Et pour certains, pour ceux qui le veulent, justement, prendre la parole pour donner la parole à ceux qui ne disent rien. Donc ce texte, il est écrit pour donner la parole à un Tazma Martyr, ou à la fille d'une des autres. Alors pour l'anecdote, il y a Ahmed al-Marzouqi, qui a écrit Sibutus, à qui j'ai offert le roman,
et il l'a lu, il m'a dit, ton texte est beaucoup plus fort que mon témoignage. Et là, c'est lui qui l'a reconnu. Il me dit, mais là, moi j'ai utilisé, je lui ai dit, j'ai utilisé votre texte pour dire mon... j'ai lu votre texte pour écrire mon... Il me dit, mais non, c'est la façon dont vous en mettez les choses, composées, c'est ça. Il a pleuré en lisant. Il a pleuré en le lisant, il me l'a dit. Donc, c'est quelqu'un qui a pris, il a eu l'audace, il fait partie des premiers textes écrits sur le Tasmama, après celui de. Avec le Tasmama de. Reis. L'insoutenable. C'est Ben Jirin qui l'avait fait. Non, pas les témoignages. Le Raïs, c'est celui de Raïs. Après, c'est celui de Marzo. C'est pas celui de Chèdre aussi. Donc, c'est ça. Ma fonction, entre autres, mon objectif, c'est de donner la parole. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, il ne prend pas la parole, le Tasman Martyr. Mais, bon, ça, c'est aussi là. J'ai mis la parole dans une cassette. Parce que. Zahra va écouter avec Ralbani et à un moment donné elle arrête et qu'est-ce qu'il raconte? Lui il raconte la première victime, les dernières heures, les derniers cris de Shemsi, d'ailleurs il s'appelle comme ça Shemsi, qui est la première victime de Tasmima. Il raconte ça, il me dit c'est pas 18 ans qui était dur, ce sont les premiers mois, les 6 premiers mois. Et celui-ci, il frappait sur cette porte en criant le nom de sa mère et le prénom de sa fille. Donc ça, c'est on voit la voix, donner la voix à ceux qui nous ont, la parole à ceux qui nous ont. Sibonienne, alors pour voir cette obsession du corps, pour la dégénérescence, on peut le lire comme une métaphore aussi de la dégénérescence d'une société, pas moralement, pas de point de vue moral, mais de point de vue politique. C'est aussi une autre appellation de Tkoulia, quelque chose qui ne bouge pas, qui est là, et on attend, les gens attendent des changements qui n'arrivent pas. Et donc tout simplement parce que le corps est devenu, et parfois il est carrément... il se détériore, il dégénère. Par l'effet d'une action violente physique, mais surtout par l'effet d'une action politique psychique. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de la honte, de la puissance de Hassan II d'occuper la conscience du peuple marocain. Les gens, les jeunes de maintenant, ils n'ont pas conscience de la terreur vécue par les gens qui ont 60 ans. C'était une véritable terreur. Même prononcer le prénom de Hassan II, on le faisait en prêchant, en se cachant. Et donc là, il y a tous ces vecteurs historiques, politiques, qui étaient là et qui minaient le corps. Donc pour moi, c'était une manière de... et aussi le tempérament, moi aussi je suis d'un tempérament triste. c'est vrai, on me voit sourire, bon, dans le cadre de ce que je fais, sourire, même je suis plutôt, d'ailleurs ça c'est courant, les gens qui portent des blessures sont souvent des gens lumineux. Des gens qui donnent la lumière, qui donnent de l'élan, qui encouragent, parce qu'eux-mêmes, ils sont habités par des choses. S'ils cessent ces actes de générosité, en fait, c'est des amis, s'ils cessent ces actes, ils s'écroulent. Donc, la façon de tenir debout, c'est de, dans l'action, vivre, donner de l'élan, de la puissance aux autres. Même si dans le vécu avec entre soi et soi, il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà.